Quinzen aussi pour avoir fait la commodération. Merci à Chris d'avoir été là, Bastos, Aeroster, et je te souhaite un bon rétablissement, l'ami Aeroster. J'espère que ça va aller beaucoup mieux et que ça va aller dans le bon sens. Je suis désolé, j'étais à fond sur le jeu quand on me l'a dit. Puis, je ne suis pas quelqu'un de les réactions à chaud, tout ça. Bon, moi, je me dis que ça va passer vite fait, et je le souhaite en tout cas. On vous tiendra au courant de la situation. J'ai toujours rêvé de dire ça, tiens. Les stylos, non. Donc à Bastos aussi d'avoir été là. Dilaucine et Dragon Sky aussi, c'est vrai qu'ils ont été là en début de stream. Ouais, bah ouais. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et Chris Golgoth aussi, je ne t'oublie pas, Chris SDR. Donc voilà. Et merci à tous ceux que j'oublie comme d'habitude. Merci à ceux qui auront les rediffusions sur Twitch et YouTube. Tout sera fait dans les montages pour qu'il y ait la conclusion d'un côté, l'histoire de l'autre. Donc voilà. Donc ne bougez pas, vous allez vous retrouver chez le sage de Nancy. Dès que tu me dis que j'ai le feu vert pour le raid, je te l'envoie. Feu vert, voilà, vas-y, tranquillou. Allez. Donc voilà. Merci à toi. Ah, de rien, merci. Moi, je continue mon Sonic 2, là où je m'étais arrêté à 13h. J'étais proche de la fin, à mon heureuse surprise. Donc, à mon avis, je suis parti pour le finir. J'espère que je vais bien reprendre le rythme. Oui, tu es bien parti. Moi, je vais modérer une petite heure chez toi et après, j'irai voir le catch avec Bastos. Oui, bien sûr, non, mais il n'y a pas de souci. Oh, tu sais à quel point ma chaîne est agitée, hein, je te l'ai déjà dit. Ouais. C'est pas faux. Voilà, le raid devrait partir. Hop. Merci tout plein. Donc, je fais un décompte. 5, Ouf. 4, 3, 2, 1. Go, go, go! À Oh! vous les studios. Ah ouais. Ah ouais, ça se fait bien. Merci tout plein. Bon, bah bonjour à ceux qui me rejoignent via FunFan, et puis bonjour à ceux qui sont peut-être déjà manifestés depuis que j'ai lancé l'émission, là, il y a déjà 2 minutes 30. Voilà, bienvenue à toutes et tous. On va continuer donc peinard, tranquillement, Sonic 2. Après, on enchaînera sûrement sur le Sonic 3, on verra. Voilà, tranquillou, peinard, pépouze. D'ailleurs, je vais. Ah non, je vais peut-être garder mon. Je vais peut-être garder mon interface Twitch pour pouvoir changer aisément le, vous savez, la rubrique quand le besoin se fera ressentir. Alors, on dit qu'on revient au jeu. Et demain, on va faire la même chose. À peu près les mêmes horaires. À part que je vais terminer Et plus tôt c'est cette un fois, mais relais de chaîne. demain, Merci. rebelote. J'espère que mon contenu et mon propos vous À plairont. part En que tout je serai cas, trois jeux, mais soyez les revenir sur les bienvenus. horaires, ce sera Bienvenue. pareil. Bienvenue. 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 Okidoki. Je te laisse gérer Discord, hein. Tu peux rester en vocal si ça te plaît, jusqu'à ton catch, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je continue peinard mon Sonic. Hop là! Oh mince, je me suis zappé le. Oups, mon signal vidéo, n'importe quoi. Attendez. Voilà, là je joue en plein écran. Il faut que je mette ça comme ça pour que je puisse vous lire. Voilà. C'est cool. Oui, bonjour à toutes et tous. Voilà, Chris, Bob, vous êtes en train de vous manifester voilà sur ma chaîne. Oui, merci. Oui, si t'aimes mes alertes, Chris. Merci tout plein. Allez, Ah zou! oui. Suite de l'aventure avec Sonic. Jusqu'à 21h. Bon. Jusqu'à. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'heure, je sais pas, on va dire. On verra. Honnêtement, je sais pas jusqu'à quelle heure je vais tenir aujourd'hui. De toute façon, dès que je sens que je suis trop crevé, j'arrête. Et puis on le verra très vite. Je finirai par faire de la mouise. Dans la fatigue de me rattraper. Whoop. Par C'est contre, trop faut pas. mimi. J'aime beaucoup ce Maintenant, logo. quand on me dit crever, je pense à Twinsen. Ah oui. Du coup, je fais des bêtises. Hein, mince. Oula, monte, monte, Thaïs, monte, 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 monte. On va avoir un problème.
Alors je les ai pas tous vus, mais bah, je les vois qu'avec toi, pour être honnête, les Sonic The Hedgehog. C'est Hedgehog, ouais, le hérisson. Et je trouve le 2 beaucoup plus intéressant que le 1. Bah, le 2 même plus facile d'ailleurs. Le 1 est plus exigeant, c'est dingue. Il y a Taze qui se rajoute. Donc il y a un personnage de plus. Et je trouve les DA un peu plus inspirés, un peu mieux. Et voilà, le niveau du casino, il n'y a pas mieux. Et même des idées, quoi, comme l'hélico, il n'y avait pas ça et tout. Oui, ça a été plus travaillé, ouais. On sent qu'ils se sont servis des faiblesses du premier pour faire un meilleur second, quoi. Oui, puis ils pouvaient investir davantage, en fait, dans le sens que ils savaient que ça allait être rentabilisé, que le 1 avait eu beaucoup de succès. Ils savaient qu'il fallait tirer sur la corde, comme on dit, là, si je puis dire. Enfin, exploiter le filon, voilà. C'est le bon terme. Merde, il faut toujours que je commette une faute débile. Attention. Merde, je pensais, mais non. Tant pis, c'est pas grave. Ah, la forteresse volante de Robotnik. Docteur Boutique. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah, Chris Golgoth qui se dit Sega, j'aime la Saturn et la Dreamcast. Dommage qu'elles aient pas marché. Oh, tu peux aimer la Mega Drive aussi, qui est quand même. Ah ouais, la Mega Drive magnifique. Qui pour moi c'est la meilleure console de Sega, enfin. La Master System, elle aurait pu, mais bon. Je sais plus que t'allais dire c'est la meilleure de tous les temps. Non. Tu aurais pu. Ah oui, mais. Bon, je pense que c'est la 64, peut-être la meilleure de tous les temps. Ouais, je sais que tu l'aimes beaucoup. Faudrait que j'en fasse des tableaux mystères du répertoire de la 64. Oh mon dieu! Peut-être la PS2 quand même, vu sa longévité et compagnie, rétro-compatible avec sa sœur, et beaucoup de choses bien dans la PS2 aussi. Ah, d'ailleurs, oui, tu me fais penser sur la rétro-compatibilité de la PlayStation, chose que j'avais pas étudiée. Il faudra absolument que j'aille en quête de mon jeu de rallye là, dont je vous parle, du Royaume-Uni, là, que je vous le fasse. Parce que ça, je m'éclatais à le faire. Surtout si t'as pas mis à jour depuis longtemps ta PS3, c'est bon, mais je crois pas que la rétrocompatibilité, ils peuvent la lever avec une mise à jour. Ça me paraît gros, je pense. On verra. De toute façon, c'est pas pour un jeu. J'ai PS2 et PS3, donc avec un peu de chance, il y en a bien une qui va accepter de lire le jeu PS1. Il y a Bob qui dit, mais la meilleure console, c'est la Wonder. C'est quoi cette console? Je connais pas. Je connais pas non plus. Wonder 3. À moins que ce soit une blague. Avec Bob, je me mets tout. C'est vrai. Apparemment, c'est une console hyper connue. Non, parce que je pensais que c'était un moyen de dire Wonder Woman, mais caché. Je connais pas, hein. D'accord. Oh, c'est beau ce que je viens de faire. Et un jour, j'ai demandé à quelqu'un quelle est ta meilleure console. Il m'a dit c'est le PC. Le PC est rétro-compatible avec tout, en plus des jeux PC, avec les émulateurs et tout. Il n'y a pas photo. Bah oui, mais comme ça. Console portable totalement merdique. Ah, d'accord. Mais oui, donc toi tu avais la Super NES. Ouais. La Saturn me plaît. Malgré qu'elle a eu pas des grands jeux, mais bon. Et qu'elle a eu une durée de vie très courte, mais. Le truc improbable. Non! Il me manque un anneau. Donnez-moi l'anneau manquant. Non! Non! Oui! J'avais même pas vu que je m'étais arrêté devant les œufs là. Voilà.
pour cette musique théâtrale. Merci. Cochonnerie. Ouais. Bon, vu que je suis là que pour une petite heure, je vais faire la modo par la voix pour changer un peu. Oh, tu fais comme tu le sens. Oh mon dieu. Si ça te dérange pas. Mais ça me dérange pas du tout. Je dis oh mon dieu parce que c'est mon jeu là. Le niveau, il y a des trucs, je me souvenais plus. Je ne me souvenais plus du tout. D'accord, il faut que je descende là. Oh la vache. Oh là là. Non! Je suis pas dans le rythme. Heureusement que j'ai gagné une vie. Soupir. Attends, je peux pas revenir en arrière là parce qu'il y avait une vie à gagner en haut là. Bien. Je suis d'accord avec toi Bob quand tu dis que la PlayStation a niqué Sega. Et même on pourrait dire Nintendo, mais il y a aussi Sega surtout, ils se sont bousillés eux-mêmes. Hein, quand tu vois les erreurs de communication qu'il y a. La plus grosse erreur de Sega, selon moi, c'est d'avoir donné le même. D'avoir fait une double branche. Une branche japonaise et une branche américaine. Ça encore, bon, c'était bon. Mais il aurait fallu qu'une des branches soit au-dessus de l'autre, mais pas au même niveau. Ce qui fait que par exemple, on va vous donner, puisqu'on parle des consoles, quand la branche japonaise travaillait vers la Saturn, donc la console qui remplace la Mega Drive, c'est ce que faisait la branche américaine. Elle faisait une autre technique qui était de préparer la Sega 32, la 32X, qui était juste une Mega Drive améliorée. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est juste une Mega Drive améliorée ou une console à part entière qui a la structure de la Mega Drive. Donc ça fait que les deux consoles qui sont sorties à une année d'intervalle, ben, ça fait que déjà la C32, ben, elle a été assez vite abandonnée, elle n'a même pas été exploitée. Et donc ça a coûté cher quoi. C'est une erreur de Sega. Et on pourrait en citer plein d'autres. Hein. Donc, plus une concurrence qui, elle, n'a pas fait d'erreur. Sega aussi, quand ils ont vu qu'il y en avait d'autres qui sortaient, bah, ils ont dit nous aussi, on va faire une console. Je suis pas dans le rythme. Bah, tout à fait, Bob, je suis d'accord avec toi. Mais, quand ils ont vu que, bah, difficile de se remettre après, de reprendre le. Pour un certain temps. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur, ces gars-là. La 32X, tout ça, et ils auraient pas dû la sortir. Voilà, ils auraient dû passer directement à la Saturn. En plus, ils ont arrêté les ventes un peu trop parce qu'ils ont voulu imposer la Saturn, alors que la Mega Drive, elle marchait très bien. Pareil, ils ont voulu assez vite abandonner la Master System, alors qu'elle marchait un peu en Europe et aux États-Unis. Il y a plein de trucs comme ça. Oui, voilà, surtout que Sega, le problème, c'est que ils étaient en difficulté. Quand il y avait un concurrent qui sortait une console, ah, il faut en faire une autre. Ils prenaient pas le temps de dire ah non. Voilà, il y a la Jaguar qui arrive, ah, il faut faire une console. Il y a la 3DO qui arrive, ah, il faut faire une console. Ils n'ont pas pris aussi le temps de voir. Et d'ailleurs, quand ils avaient sorti la Saturn, la Dreamcast qui avait très peu de vie, ils savaient déjà qu'ils seraient morts. Hein. Si elle marchait pas, ils savaient qu'elle marchait pas. Ah oui, et en plus, leur console port. La Game Gear, peu de couleurs, je crois, si je dis pas de conneries, mais elle te bousillait plus de piles que la Game Boy Color. T'étais obligé de rester chez toi avec une console portable. Ah oui, les piles. Oh putain. La gestion des piles, oh mon dieu. Ah, les marchands de piles, ils étaient. Ah, ils avaient. Oui, ils étaient Sega. Riches grâce à Nintendo. Sega, surtout. Sega aussi. Nintendo, oui. Les deux, mais c'est vrai qu'à cette époque-là. Le pire, c'est que je sais qu'il y a un trou là qui m'attend.
Sans mauvaise expression évidemment de ma part. Ah oui. C'est le jeu. C'est ça. Ah oui, peut-être que j'en profite pour faire un message. Comme le sage n'est pas là samedi, tu m'as dit vendredi après-midi, mais si tu préfères samedi soir, il y a une place de dispo. Hein. Le planning. Quoi qu'il voit. Mais sinon, on reste le vendredi et je publie mon planning au public. On fait ce qu'on peut pour se rattraper. Le rythme de cette plateforme de fou me tue. Ah, je peux pas. Ah, mais il y en a beaucoup. Oui, c'est... D'accord, bah je prends le vendredi après-midi, c'est bon, on le touche plus. Après, Bob, tu as raison, en plus, la Dreamcast était la première console à avoir un modem et tout. Elle avait de l'avance, tout à fait. Ah mais c'est clair qu'ils n'ont pas laissé le temps de vivre. D'ailleurs, je vais apprendre une anecdote au sage, puisque je sais qu'il aime comme moi la série Half-Fly. Il y avait quasiment un jeu qui était finalisé à 90-95% sur la Dreamcast. C'était Half-Fly. Ouais, il aurait dû avoir une version Dreamcast. Mais comme ils ont arrêté et qu'ils ont eu un peu de retard, et entre temps, Sega a dit on abandonne. Mais on peut retrouver sur... quelques autres plateformes, tu peux retrouver la version Saturn, et certains arrivent même à la mettre sur leur Saturn. C'est assez dingue. C'est un jeu qui a été quasi fini. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la version Dreamcast n'ayant pas été sortie, du coup, ils ont un peu changé ça et l'ont passé pour la version PS2. D'ailleurs, je pense que c'est par ce biais-là que je trouverai Half-Life. Et en plus, la version PS2 a une particularité, c'est qu'elle a un mode cop. Bon, faut trouver quelqu'un, mais tu incarnes deux scientifiques. Mais ça me dit quelque chose, j'ai dû le lire. Colette, j'aime bien. Colette, Green et l'autre, je ne sais plus. Je fais des conneries du coup. Merde, mais j'arrive plus à me concentrer. Ah. D'ailleurs, il y en a une des deux qui est complètement tarée des filles. À chaque fois qu'elle dit des zombies, elle rigole comme une dingo. Je l'ai mis dans le jeu vidéo. Arrête les pompettes. Le son naze que je viens de faire, une horreur. La patine plateforme, je suis obligé de passer par là, je trouve ça bizarre. C'est dur sans déconner. Je me savais pas que c'était aussi balèze. D'accord, il y a rien au bout là-bas. Ah, il y a des hélices, je vais pas me faire broyer comme un poussin. Et c'est du même genre. Là, les plateformes, elles durent pas longtemps. Je suis condamné à tomber dans le vide. Oh! Oh! Génial! J'ai pas tapé le... Mais non! Mais comment tu fais pour taper le glinglang de sauvegarde? Oh! J'y étais arrivé! C'est incroyable ça!
Ah non mais contre-performance de... Bon. Heureusement qu'il y a la vie bonus là, hein, parce que... Ah, ah non mais c'est rageant. Tu râles comme les monstres de Minecraft. C'est possible, je m'en rends même plus compte. Ginacross et collègue Green. Là, il dit ce crosseur de poulpe qui a une chaîne YouTube. Bon, il est un peu vulgaire par moment, mais c'est un grand fan de la série Half-Life et il a fait une très belle série vidéo dédiée, surtout pour l'instant, sa première série. Et bientôt, il devrait d'ailleurs publier le 2. Il a dit que sa vidéo va durer au moins 1 heure. Et ça lui a pris 1 an de chercher ses sources et compagnie. Et il parle de plein de trucs informatiques et tout. Intéressant, mais dommage que cet homme soit un peu vulgaire par moment. Mais sinon, c'est toujours intéressant de l'écouter. Dans le métier, on l'appelle le crâne d'œuf. Il est chiant. Et il a une voix d'animateur de radio. Pardon. Ouais. Ouais, il a une Oh! voix d'animateur. Il pourrait être Excuse-moi, sur j'ai Énergie. réussi mon niveau là. Ah, c'est pour ça. Oui, pardon, là, j'exulte. Non, je t'en prie. Ah merde, j'ai pas le droit de faire ça. J'étais obligé de prendre le tremplin. Merci pour le GG, une scène. Je l'ai bien gâché mon truc, moi. Bob, j'ai trouvé le slogan de la Dreamcast en Europe, aux manettes citoyens. C'était vraiment ça? Non. Sérieux? Au point qu'il faisait n'importe quoi, je me dis. De toute façon, ça ne peut pas être pire que John Romero hein, quand il a fait Titacana. Si tu n'achètes pas le jeu, je ferai de toi ma péripatéticienne. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est le pire slogan ever. J'y vais. Je passe à la suite, génial. Je Ah suis oui, à c'est le 10 secondes. combat. J'ai l'air du combat. Alors, Bob nous a fait un pavé. Oh! Sega, l'art du marketing de merde. Mais ne sont pas sérieux. Ah, non, mais ne lis pas son sérieux. C'est comme ça que Sega pensait vendre des Dreamcast. Je sais pas vous, mais je me déplacerai pas pour les élections européennes. Je peux pas. Il y a Brocante et après j'ai cours de poney. Dit un journaliste de l'époque. Merde. Alors J'ai compris ce qu'il Vincent. faut faire, mais la maîtrise, bonjour. Pardon, je t'interromps, vas-y. Oh, je crois. Vincent qui nous dit le tapis roulant me rappelle quelque chose dans une certaine image, mais j'en dirai pas plus. Je reviens tout de suite. Ouais, je t'en prie. Putain, je me souviens pas qu'ils étaient si durs, le boss là. Cette danse de pipe de fou, toi. Oh, regarde-moi ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Game over, tu m'étonnes. Je sais plus, j'ai encore un continu, je crois. Au pire, je m'en fous, je reprends ma sauvegarde où j'en étais tout à l'heure. Je veux finir le jeu, là, j'en ai marre. Mais je me disais pas que c'était aussi balèze. Je m'inquiète parce que j'ai une douleur à la plante d'un pied. Je comprends pas pourquoi j'ai cette douleur. J'ai dû marcher tout à l'heure quand j'ai dû me rendre aux toilettes. Pendant ton direct commenté là, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû mal poser le pied. J'espère que je me suis pas éclaté un truc. Pas éclaté, non. Mais bizarre.
Non, je veux monter, avoir la protection. Allez, saute Sonic, tu commences à me les briser. Tu peux le faire, merci. Ah oui, alors je sais plus comment on fait à partir d'ici. Voilà, merci de la protection. Attends, mais c'est quoi ce bonbon de fou là? Je passe par là. Ah oui, je suis allé dans le mauvais sens. Voilà, c'est là où j'ai mis ma fameuse vie. Merci. Là, j'ai le coq qui est le noir. Merde, j'avais oublié les pales. Bah, je voulais éviter le poulet. Tiens, du coup, je me suis mangé les pales. Ah ouais, c'était vraiment ça aux manettes citoyens. Ouais, normalement ça va dans le JV, mais je vais rien dire, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Mais... Ah. Il m'a rappelé que la semaine dernière, je n'ai pas fait l'actualité du Gorafi. Fun fan, mais ça revue presse. Donc... Ceux qui ne connaîtraient pas le graphisme, c'est-à-dire c'est des infos qui sont là pour rigoler ou pas, des fois ça dépend, mais qui ne sont généralement pas vraies. Des fake news, mais assumées. D'ailleurs, graphisme stylisé veut dire le Figaro. Alors, on commence. News sur la magie. C'est la dernière news qui est arrivée il y a 28 minutes. Eric Antoine, recalé de pouvoir pour la 15e année de suite. Eric Antoine. Eric Antoine est un magicien, il passe des fois à la télé et tout, qui a été révélé à incroyable talent. Et pour l'art, vous le savez, je pense tous que c'est l'école de Harry Potter. Et Eric Antoine, en fait, il faut savoir qu'il est grand, hein, et en fait, il a appris la magie à l'hôpital, justement. Comme il était grand, il devait subir des opérations quand il était ado. Et il a tué son temps dans sa chambre d'hôpital en apprenant les tours de magie. C'est comme ça qu'il a trouvé sa vocation. Pas grave, Bob, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, ça passe, là encore, ça passe. Je suis en train de faire des bêtises. Sur la Chine, j'espère qu'il n'aura pas de problème, le sage. Moi, je vais plutôt lui mettre mon esprit. Après la neige, Pékin va utiliser de la démocratie artificielle. Ouais. Je ne vous lis que les titres, hein. Du Gorafi, je vous lis pas. Allez, une sur Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, Bolloré. Ou le Boléro de le Ravel. Rachète le collectif Stop Bolloré. Ah ben c'est pratique. Ouais, comme ça. Ah oui, je suis con, j'ai une protecte là. Le 19 janvier 2014, Freddy. Non, j'y arrive plus, hein, c'est la fatigue du style. Freddy mange son curry, oui, on avait compris. Freddy Krueger dit être terrifié parce qu'il a vu dans les rêves de Pierre Gattaz. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Gattaz, c'était l'ancien président du MEDEF, connu pour être pire que Laurence Parisot. J'ai vu un peu. Jean-François Rude de Bézieux, je ne connais plus son prénom, il a l'air un petit peu plus commun. Grève RATP, 17 utilisateurs en panique après la fermeture de la ligne 3 bis. Alors, 18 janvier 2021, je pense que le sage, elle va te faire rire, celle-là. Il n'a jamais acheté de bitcoin et donc n'a jamais gagné ni perdu d'argent, il raconte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est terrible. Mais... Bref. Ah là là. Alors ça, celle-là, elle m'a fait vraiment marrer. J'aurais bien voulu que ce soit vrai. La Poste crée une appli qui permet de suivre la perte de son colis en direct. Ah, celle-là est excellente. Elle est horrible. Mais elle est excellente. Alors, là, malheureusement, un fait d'actualité qui a été rattrapé, puisque c'est Oh. devenu vrai. C'est-à-dire Toulouse. Il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Et
Malheureusement, dans, je crois que c'est le Dauphiné dans Sud-Ouest, il n'y a pas longtemps, il y a un couple avec une personne qui leur a demandé s'ils disaient pain au chocolat ou chocolatine. Vous savez que dans le Sud-Ouest, ils disent chocolatine. Et il s'est fait tabasser. Et le Gorafi, du coup, a envoyé au Dauphiné, leur a envoyé plagiste, ni plagié. Malheureusement, fait que le. Voilà, ils ont voulu se moquer, malheureusement, le Gorafi a été rattrapé par l'actualité. Ouais, c'est terrible. Alors, voilà, je vais dormir un peu, malheureusement. Voilà, c'est à quel point dans ce pays on en devient divisé, quoi. Bientôt, tu portes du vert, moi je suis la team bleue, on va se taper dessus, quoi. C'est ça qui m'embête un peu dans ce pays, c'est vraiment. Et c'est dans le monde, hein, c'est pas spécialement à la France, mais vraiment. Oui, il y a une banalisation de la violence, oui, c'est un problème. Je sais pas Allez. jouer, mais je sais pas jouer. 17 janvier 2015, une file d'attente mène nulle part, découverte dans un bureau de la poste. Alors, celle-là aussi, allez, un petit peu politique, mais c'est rigolo. Tant que c'est pas méchant, je vous l'ai dit. Jean-Luc Mélenchon déclare retirer sa candidature à la présidentielle après l'annonce du soutien de Ségolène Royal. Après, j'en aurai pas beaucoup puisqu'ils n'en sortent pas tout. Le 16 janvier 2016. Saint-Valentin. Cupidon percuté par un drone sur le trajet retour. Oh, les cons. Alors là, ça devrait faire rire Bob, je pense. Alors, sondage. 89% des hommes pensent que le Citoris est un modèle du Toyota. Mon Dieu. Je vais recharger ma partie. Je fais de la merde au boss. J'ai compris ce qu'il fallait faire, mais je ne maîtrise pas. Alors je vais pas vous dire le nom parce que j'ai du mal, on va dire. Le patron du PSG qui dit, il ne faut pas que le foot vienne gâcher cette grande fête de l'argent. Ouais, je vais recharger ma partie. Alors, ah ouais, ça ce serait pas mal. Alors là, il nous parle de l'émission Face à Baba. Alors, l'émission Face à Baba, c'est une émission où Cyril Hanouna invite deux personnalités de politique pour débattre ensemble, et généralement, c'est les candidats. Et du coup, pour se moquer, ils ont dit Face à Baba. Dorénavant, les candidats débattront uniquement en onomatopée. Pourquoi pas? Vu tout ce qu'ils envoient comme nom d'oiseau, je suis pas contre. Alors, 15 janvier 2013, des traces d'amour détectées dans les restes de la Saint-Valentin. Il brise la routine de son tour du monde en s'accordant un CDD de 6 mois à la Défense. Alors là elle est bonne, là sur. Là elle est bonne, celle-là. Moi elle me fait. États-Unis, la publicité remporte une nouvelle fois le Super Bowl. C'est vrai. Ah, non mais les sommes sont astronomiques. C'est un truc de fou. Je sais plus, c'est de l'ordre de 200 millions de dollars par pub, je sais plus quoi. Enfin bref. C'est des trucs de fou furieux. 14 janvier 2018. On n'est pas couché. Clash entre Christine Angot et un faucon de neige. Et moi j'avais mis, avec le réchauffement climatique, elle va disparaître. Ah, alors là, elle est pas mal non plus. Donc, je. Ah, attends, voilà. Bob Morlock, oh, je l'ai laissé. C'est quoi le sperme? C'est l'amour en gêne, je sors. Je ne dirai rien.
Donc voilà, Christine Angot, c'était la chroniqueuse de On n'est pas couché de chez Roland, Laurent Ruquier. Je crois que je l'appelle souvent Roland parce que c'est proche. Et elle est connue pour se clasher très souvent avec les filles. Qui est Bursur, le panda milliardaire qui finance la campagne de Yannick Jadot. Ah. Je vais passer à la lumière artificielle, hein. Vas-y, continue, je reviens. Ouais. Alors, pour se donner une image plus sympathique, Goldman Sachs, pardon, devient Jean-Jacques Goldman Sachs. La ressortirai quand il y aura le stage. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, le sage disait, alors, pour se donner une image plus sympathique, Goldman Sachs devient Jean-Jacques Goldman Sachs. Le 13 janvier 2014, pacte avec le diable pour réussir. Plus d'un Français sur trois a voulu y avoir recours. Non, lui aussi, il l'a vu. Un Français sur deux vivait dans la peur d'être ajouté dans un nouveau groupe WhatsApp. Putain, je sais même plus si j'en ai fait usage de WhatsApp. Ah si, une fois pour un collègue de boulot. Moi, très rarement, je l'utilise, mais ça m'arrive. Encore un stylo 4 couleurs jeté sans avoir utilisé ni le vert ni le rouge. On a une image. Le pire, c'est que c'est vrai. Quand il manque Oui. une couleur, tu jettes le stylo. Des fois, il y en a qui font ça. Oui, ce qui fait que c'est pas très écolo en fait. Exact. Sondage. 78% des Français aiment hiberner jusqu'à la fin du second tour. Pourquoi elle saute ma webcam? On se croirait sur un vieux téléviseur là. Le C'est 20, agaçant. le 12 février 2016, il parvient à tromper 1000 personnes 1000 fois. Ouais, la fameuse réplique. Non, j'ai un problème de webcam là. Attendez, 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 attendez. Je vais changer de plan là parce que ma webcam devient folle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour, grenier. Ah ouais, J'avais j'ai dit ma webcam qui au tout déconne. début, Bob. Alors, attends, excuse-moi. Vas-y. Fan, marque une pause, ne dis plus rien. Pourquoi? Parce que je vais lancer mes clips. Je vais devoir débrancher ma webcam et la rebrancher, elle déconne. Je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas un signe de défectuosité parce qu'elle est neuve. Mais bref. Et je te redirai quand je reprends l'antenne. Il y en a pour même pas 1 minute. Hein. Voilà. Je mets Non, les pas de clips, pardon. problème. Petit souci technique. Bonjour, grenier. Mais je pensais. Je veux bien remettre la radio, je me sentirais mieux. Merde, la radio est cassée. Ah. Oh non, arrête, t'as une musique pareille, on dirait que les Allemands débarquent là, on se croirait avec les. Il est pas si difficile que ça. Oh la balle! C'est beau dans la vie de pouvoir remémorer des souvenirs de ski. Moi-même, je pourrais vous raconter des anecdotes de ski. J'ai la chance d'avoir décroché la première étoile en classe de neige quand j'étais petit. À l'inverse de ma sœur, Na, qui elle n'a que le flocon. Je me la pète! Je l'ai charrié une fois ma frangine là-dessus, mais juste une fois. Je m'en fous. L'essentiel, c'est que. Animation. C'est trop bien. J'ai mes gants. On dirait une femme d'affaires. La tueuse en série, la nana. Trop bien. Mieux que l'agent 47 dans Hitman, je vous le dis. Tout de suite. Elle va faire un carton, celle-là. Je crois que c'est la bonne. C'est le bon perso. C'est elle. Edith Chapin.
Elle va zigouiller. Alors. Non, mon image est figée. J'ai un problème pour de bon. Comment je fais pour la désactiver et la réactiver? Minute papillon. Ah, je suis désolé du souci technique, c'est bien chiant. Désactiver, activer. Ah! Avec un peu de chance, elle est redevenue stable. Tu peux reprendre ta lecture, mon cher fun fan. Désolé, vas-y. Je t'en prie, c'est pas grave. Toute façon, j'y arrive enfin, puisque je vous avais fait il y a 2 semaines, donc il n'y aura pas trop de. Convoi de la liberté. Attends, voilà, il faut que je coupe pour plus avoir le retour. Florian Philippot décroche in extremis son permis poids lourd. Pour Florian Philippot est un homme politicien qui a été le bras droit et un des vice-présidents, il me semble, à l'époque ça s'appelait encore National, et qui aujourd'hui a créé son propre parti pour voguer de ses propres ailes, mais qui ne marche pas. Le 10 février 2017, il s'est passé un truc à Pau. Pourquoi, on ne sait pas, mais. Alors là, elle m'a tué, celle-là, elle était énorme. Étude. La mort, première cause de décès chez les Français de tous âges. Quand il est trop rapide, c'est le cas. Ah, celle-là, 9 février 2018. L'immigré qui est censé voler votre travail sera toujours son emploi. Ah, quelle horreur, mon Dieu. Alors ça, c'est horrible, ça. Pour gagner en popularité, une star hésite encore entre rencontrer un enfant leucémique ou thérapeutique. Oui, c'est tranché. Ah oui, celle-là, il m'avait tué. Ça devrait plaire à Bob parce qu'il aime bien se moquer des politiciens. 8 février 2017, Emmanuel Macron tente de rattraper l'aigle qui lui a arraché des mains son programme électoral. Alors là, pas mal aussi. Prison. On est sur le thème de la politique. Patrick Balkany, placé à l'isolement pour éviter qu'il ne radicalise d'autres détenus dans la fraude fiscale. Bon, allez, parce que il aime bien quand je me moque des politiciens pour Bob. 6 février 2018, l'enfroi. Édouard Philippe conseille aux SDF de bien se couvrir. Oui, c'est trash, ça. Écoutez, ils sont pas dans le faux, comme on voit certains trucs. Suite à de nombreux dysfonctionnements, Dieu rappelle 1 milliard d'hommes blancs dans le monde. Oui, tu m'avais lu. Alors Ah là, je bon. trichote, pause, mais je sauvegarde ma situation parce que le boss là, il va me falloir du temps pour le comprendre. Tant pis, je trichote, mais là, je suis tellement proche de la fin que voilà quoi. Vous m'aurez compris. Donc c'était la petite revue de presse du Gorafi. Vous verrez la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépend. Enfin non, du coup pas la semaine prochaine. La semaine d'après, nous en ferons un nouveau, enfin la Ouais, c'est prochaine sympa. fois, quoi. Je veux arriver à la fin de ce mythe 2, j'en ai marre. J'espère que vous avez apprécié, que vous n'êtes pas ennuyé. Non, c'était rigolo, moi j'ai bien aimé, mais merci de ta lecture. Aussi au chat. Merdoum, je tape 0 fois la machine. D'ailleurs, je pense, alors je ne donne pas de date, mais il est probable que
le scénario de catch que j'ai fait maintenant il y a 2 semaines, tout ce qu'on est samedi, il est probable qu'un jour j'en fasse une saison 2. Oui, ouais. C'est bien, c'était cool. C'était cool. Une saison 2 avec moins de fautes d'orthographe, je vous le garantis. Et voilà, tout simplement parce que j'ai une saison 2 plus longue, peut-être avec Kat, le gars qui a fait des doublages allemands, j'aimerais bien parce qu'il est, il est excellent ce jeune. Moi, si tu te souviens, sur De Gentillage, quand il faisait les doublages avec les aides, qu'il y avait des petits soucis. Donc ce serait bien que je puisse le rajouter pour une saison 2 avec plus de personnages développés et tout. Mais cette fois, le faire sur PS3 et pas PS2 parce que le jeu est un peu plus joli et il est un peu moins limité en termes de scénette. Donc, je suis déjà en train de plancher sur des pistes. Pardon, voilà. J'ai entendu un truc très bizarre proche de chez moi, donc c'est pour ça que j'ai tiqué. Pardon. Ouais, je t'en prie. Merde, du coup, je réfléchis même plus au jeu. Comment tu veux le frapper sans mourir? Entendez le sage en écho, dans ce cas-là, je baisse le son. Génial, je peux même pas manger sur le côté, je suis bon pour. Ah non, j'ai pas pu frapper. Voilà, c'est sympa pour moi. Bien. Non, j'ai perdu l'anneau. Comme un caca. Là, j'ai pu frapper 2 fois. La concentration que ça demande. Et voilà. Et merde, j'étais si proche, je recharge, hein, je recharge autant de fois qu'il faudra, hein, vous comprendrez. Ouh, dur. Dur, dur, dur. Ah, il faut maîtriser le Schmilbic, mais quelque chose de méchant, quoi. Très mal, j'arrive pas à aller sur ce tour de merde. Voilà, je m'excite. Mais je vais la frapper, la machine. Non, rends-moi mon anneau. Ah oui, mais là je me fais exploser forcément. C'est très dur. Je sais pas comment je faisais jeune. Ça m'épate. J'arrivais à entrer dans un état de concentration ou de transe. Je sais pas comment je faisais quand j'étais gamin. Ça me semblait simple, ça, quand j'étais gosse. Je sais plus. C'est terrible. Voilà. Je montais dessus, je me prends les pics de merde. Ça fait plaisir.
Waouh, j'ai eu le maximum de spectateurs, 11. Oh, je suis content. Ah, après je faisais 4 heures de live, c'est dommage, je suis paresseux quand même, j'ai pu attendre une seconde. Allez, mets-toi en boule Sonic, c'est ce que tu fais de mieux. Ah ouais. Alors, plus tu parles de Sonic en boule, je vais juste dire une blague qu'a posté Bob. Oui. Attends, donc, quand il fait le dos rond, c'est qu'il se met en boule. Oui, je rage. Parce que je maîtrise pas mon sujet là. Ça me gave. Et puis, c'est la physique du jeu. J'ai l'impression que les mini-plateformes sont huilées. Ça pour te piquer, elle fonctionne. Hein. Mais alors, pour rester dessus sans te casser la figure, c'est. C'est une énigme. Voilà, ça, là, il y a une danse de pique. Je faisais quand j'étais gosse, franchement. Là, je frappe deux coups. Là, c'est la danse du truc de la mort. Voilà. Où devais-je aller? Je sais pas. C'est dur, dur. D'ailleurs, j'en retire mon chapeau là parce que je fulmine. Là, j'ai de la vapeur qui sort du crâne. Là. Je commence à. Bon, on recharge la partie sauvegardée. Je replace le boozings là où il faut. Ah oui, alors on m'en parle pas. On y retourne. Oui, donc ton événement de catch, ça se passe aux Émirats Arabes Unis, c'est ça? C'est ça. C'est ça qu'on l'a plutôt. Ah oui, avec les décalages, ouais, ouais. Si je peux, je vais faire dodo. Bah, je te le souhaite, oui, non, là, faut que tu récupères. Hein. Faut que tu récupères. Tu sautes. Je piche pas. Oui, il m'a dépouillé de tous mes anneaux. Mais à un moment j'étais bien parti, je l'ai frappé 4 fois le dispositif à la CON. Mais d'où t'as vu que je touchais pas la plateforme? Je la touche pas quand je veux aller au-dessus, mais je la touche bien quand je passe en dessous avec les pics. Je comprends pas. La physique me dépasse. Je touche la surface, je suis prêt à faire un arrêt sur image. C'est comme, je sais plus quand, là, je suis passé au travers de la plateforme alors que j'aurais dû atterrir dessus. Il y a des trucs, je comprends pas. Ah! On reste calme, on va y arriver. Pib de l'époque. Ça c'est bien.
Oh! Sympa. Ah ah ah, j'ai peut-être trouvé le truc. On y croit. Ah! Là aussi, je sauvegarde maintenant. Ah! J'ai trouvé ce qu'on appelle le pattern. Punaise! Allez, on y retourne. Ah là 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 là. On va l'avoir cette fin de Sonic 2, on y croit. Allez, fais tout péter. Voilà, je veux plus de rayons de Schmilblick et blablabla. Oh, c'est la tête de la forteresse. J'ai gagné une vie, c'est mérité. Oh, ce pupitre de commande, il est fou, Docteur Robotnik. Vite la fusée. Il s'enfuit, salopio. Docteur Boutique, on t'aura. On sait tous qu'il a encore du stock. Escroc. Même Bob connaît Docteur Boutique. C'est pour dire. Il va se tourner chez lui. Ouais. N'importe quoi. Vincent, il connaît pas Docteur Boutique. Il est précis. Ah, le grand final dans l'espace. Avec son robot géant. Ah, puis il y a le double magnifique en... Ah oui, en métal. Metal Sonic. Sa première version. Ah merde. C'est pas un style de musique. Comme il vient de l'entendre, les visiteurs bossent pour moi à l'heure de l'été. Bon catch à toi. Merci pour ta modération, ton animation et tout et tout et tout. Et encore les 3 abonnements de ce matin. Merci tout le monde. Je vais continuer, je vais rester via l'écrit parce que je vais être avec mon téléphone. À part que je n'aurai pas de son pour le stream. Donc je continue à sur... Je jette un œil de temps en temps au chat. Mais oui, y'a pas de souci, merci. Voilà, avec Cyberpunk qui prend la relève. Il reste une zone où il me remplace. Merde. Voilà, j'ai appris avec les niveaux, Cyberpunk. Mm. Bon, voilà, sinon, bonne soirée, merci d'avoir arrangé les changements et de m'avoir laissé un petit peu plus longtemps pour terminer le jeu. C'est un plaisir. Voilà, et bon, bon live avec le sage et. Non, je pense à demain, on verra bien, on se verra bien. Voilà. En tout cas, voilà. Hop, et je vais. Ah oui, j'ai même pas publié le calendrier du coup. Comme ça, je te le dis en direct et il me fait de la pub. Oh, c'est bon, c'est bon, une pierre de con. Donc, mardi soir, cette fois, parce que ce sera deux jambes sièges à 21h avec une vocale ouverte. Ouais. Alors, Dead of the Tentacle. J'espère que je l'ai dit. Dead. Non, c'est D.O.Tentacle. Ouais, excuse-moi, Quinten. Ce sera vendredi à 13h30, objectif platine avec Quinten et une vocale ouverte à tout le monde. Et du coup, samedi à 21h, vous aurez du Quinten 3D avec Pong. Voilà, et du coup, dimanche, pas de live, puisque le sage n'est pas là, et donc le concept est ballot. Du coup, je me repose un peu pour mon dimanche. Oui, c'est bien, je... Voilà le planning. C'est la fin de la publicité et je vous laisse le merde. Là, je gère mal les distances. Dur. Mais il y en a parmi vous qui ont déjà fini Sonic 2. C'est pas une bonne question. Ah, il faut pas sauter trop haut, sinon une cisaille.
Alors. Ta 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 ta. Merde, j'ai loupé la vie, tant pis. J'ai pas pensé à sauter dans la cabine, mais bon, je suis pas une vipère. C'est terrible, mais c'est vrai, je ne suis plus une vipère. Je me souviens que j'avais les mains moites quand j'étais gosse avec la maître de la Mega Drive, nerveux de me dire je suis presque à la fin. Tout vu, un hérisson dans l'espace. Ah ouais, Sonic a une de ses poignes, c'est vrai. Ça me faisait peur, moi, la première fois quand je regardais, je découvrais. J'ai dit, mais non, mais il va tomber, c'est terrible, il va mourir, une terrible chute. Et ben non, il s'accroche. Merde. Oh. Oh, le subterfuge. Je m'en souvenais point. Oh la vache. Merde, trop à la verticale. Ça pardonne pas, hein, c'est au pixel près. Hein. Non. Je me disais, je peux peut-être le taper deux fois, mais... Pas déconner. Je sais pas comment je peux le gérer son pic là. Ou alors faut que je reste au milieu et il me saute par-dessus peut-être. À vérifier. À vérifier. Si tu te mets en boule en accélérant, tu le piques. Ah, bonne question. On va tenter. Apparemment non. C'était sûr. T'es rigolo, ça valait le coup de tester. Non, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas, je vais recharger. Mais c'est bien d'essayer, c'est ta suggestion était sympa. Mais non, non, on va recharger, on va recharger. Ça, la théorie est pas valable. Attendez, que je vous le recale bien. Allez hop. Oui, après c'est scripté, je peux plus rien faire.
Ah oui merde, pourquoi j'ai sauté? Effectivement j'aurais pas dû bouger. Un mauvais réflexe pour le coup. Ah merde, je me mets dans l'axe central, mais je suis débile moi. Je me mets bien au centre, alors qu'il faut que je me décale un peu. C'est pas grave. Oh, la faute. N'importe quoi. N'importe quoi, moi. Allez, on se concentre. Oh, si proche du but. Merde. L'axe était mauvais. On va recharger. Bon, je suis mauvais, quoi. Que voulez-vous? Ah là 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 là. Je vais parvenir à me concentrer. Allez, on y croit. C'est la bonne. Bon, j'ai à peu près bien centré. Bienvenue pour cette 156e rediffusion de Sonic 2. 3 jours plus tard. Voilà, merci. Ah, j'aurais dû me refaire de la flotte quand il y avait... Je dirais que t'as une femme, j'ai vu une phrase de la flotte, moi. Merci pour ces GG pas mérités. Peut-être pour l'abnégation, la persévérance, éventuellement, j'accepte. Pour la performance, on repasse ça. Hein. Waouh. Mais je veux voir la fin. Vous aussi. Je le sais. De l'amour de egg. Pierre de Coubertin. Oh mon dieu. Oh oui, je l'ai. Ah, Sanigo, je t'aurai. Viens ici que je te mette une déculottée. Ah, je sais plus comment il gère lui. D'ailleurs, je re-sauvegarde. Ah, je voudrais pas vous refaire subir tout ce...
Tout ce bazar, allez, on y croit. Je voudrais pas vous refaire subir tout ça. Non, tu la connais pas la fin de Sonic 2, Bob? Tu m'étonnes. Elle est excellente la fin de Sonic 2. Voilà, je vous rassure, hein, je vous dévoile l'intrigue, c'est le tout dernier robot. Hein. Elle est bien la musique, là, j'aime bien. Après, je sais plus comment on fait pour le gérer, lui. Ah, il faut pas être dans son dos, je crois. Ah, tu connais pas la fin? Ah. Oh non! Oh non! Oh non! Je triche, je recharge. Ah oui. Ah non, le Sonic en fer, j'en ai marre. J'en ai ras la casquette du Sonic en fer. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, je me suis planté, tant pis. Mais non, mais non, mais non, mais non. Attendez, on se concentre. On se concentre. J'ai fait des. Oui, attention, faut pas que j'écrase mes trucs, moi. Voilà. Excusez-moi du peu. Ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Oh, on va y arriver, on y croit. Allez, un coup gratuit d'entrée de jeu. Ça va faire par la maison. On voit le mec mégalomane, quoi. Il fait des robots à son effigie. Hop là, un petit coup. Oh! Ah, je me souvenais pas de ça, tiens. Je me souvenais pas de ça. Non, mais il faut s'abuser, se retaper le robot. Je me souvenais pas que c'était si dur. À mon avis, quand j'étais gosse, à la fin, celui-là, je le tapotais, je l'avais connu par cœur. Là, je joue même pas bien. La 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 la. Alors, je laisse tirer son truc. Voilà, il tire ses pipiques. Ah, il redécolle? Oh, il triche. Hop là. Ah non, il tire plus. Ah. À l'usure. Je pense que je peux l'avoir à l'usure. Ça tire tes trucs. Et là, il nous fait un moonwalk totalement improvisé. Il va tirer ses pipiques. Tire tes pipiques. Allez, vas-y. Je vais pas faire le fou. Je vais attendre qu'il redescende gentiment. Voilà. On va faire durer le plaisir, dira-t-on. Et voilà! Ah, 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 le boob! Tout explose.
C'est fini, j'ai gagné. Avec la belle musique. Merci. Évidemment, Sonic va retomber sur Terre. Il faut que Tails aille le rattraper, sinon il va se faire bobo. Et là, vous avez un gros cratère fumant à la fin. Tails l'a loupé. Oh merde. Et Sonic finit comme une petite fumée. Oh, ça aurait été tragique comme fin. Oui, ce final à Game Boy, ouais, bon, pourquoi. Ah, l'animation finale, elle est belle. Ah, c'est beau. On va cesser la musique. Je vais aller me faire du sirop, je reviens. Attendez, me revoilà. J'avais trouvé une émeraude, une scène, une seule sur les 7. Oui, le coup de. Il chope les 10, le truc trash. Ouh. Ah, j'aimais bien faire le mode de joueur avec ma frangine quand j'étais gosse. Ah là là. Bon, qu'est-ce que je vous fais d'autre? On enchaîne sur le 3, on fait autre chose. Je sais pas. Je sais pas. Allez, enchaînons sur le 3, on va voir. Je vais essayer. Faut que j'éclaire le 3 dans le Twitch. Dans le Schmidlick de Twitch. Bougez pas. Doing. Ok, ça c'est fait. Euh.
Attendez, non, j'avais pas d'emplacement particulier. Ah, il faut que je mette 3 dans le titre. Ah, j'ai mis 4. Bravo. Aïe. C'est 3, pas 4. Voilà. Je le connais pas, en fait, le 3. Je suis pas allé loin dans le 3. Je connais pas. Ouais, j'enchaîne sur le 3, Bob. Mais après, peut-être que je changerai, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas fait depuis longtemps le Sonic & Knuckles, que j'aime bien aussi. Mais on va voir. Ah bah, zone 2. Pourquoi j'en étais resté là, moi? Ok, il m'a pas chargé le Spoonbeak. Ou je recommence depuis le début, je sais pas. No save. Mais comment je valide? Ah, je pourrais faire Shinobi, pas ce week-end, mais Shinobi, ouais, pourquoi pas. Je pourrais le faire un week-end, les Shinobi, je les ai, ouais. Attendez, je comprends pas. Ah, bah c'est la suite du 2. Hop, il saute de l'avion. Oui, il avait des émeraudes. Bon, c'est dans le scénario idéal. Knuckles les récupère. C'est la parfaite suite du 2. Oh la vache. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est redoutable. J'ai redouté, il n'y a rien de non, je peux pas. Oh la vache, ah il est là dans le jeu quoi. Je pensais aller en buter contre les... Ok! Mode Tarzan. Oula. Ça se pète pas ça, non? Ah si. Oh! Ah oui, oh mon dieu. Non, je suis de la merde. Oh, j'ai plus mes réflexes de jeune, moi. Ah. Comment il s'est barré, Faze. Oh, j'ai vu un truc. Oula. Oula là. Bah. J'ai pas le droit de péter le truc. Ok. Bon. Pas de mal en pis. Aïe. Bon. D'ailleurs. Voilà, c'est tout feu, tout flamme. Non, j'ai droit à la sphère là. Ah non, c'est sympa ça. On voit qu'ils ont associé les idées du 1 et du 2 en fait. Ils ont repris le casino du 2 mais mis dans la logique du niveau bonus du 1. Je parle des opus évidemment. C'est rigolo. Ah, c'est apprécié.
Waouh. Oh, je l'ai mis, mais c'est cool. Je vais faire plus. Oh, merde, j'avais pas vu que j'avais trop abusé de l'appui sur la strip-muche. Oh, je déteste ces bestioles. Oh! Bah alors, Tails, t'as triché, t'es parti sans moi. Oh. Oh. Tout va bien, la jungle est en feu. Ah oui, il y a des spécificités avec les boucliers qui sont différents. Oui, je peux me transformer en boule de feu, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ce qui n'est pas forcément un avantage, on vient de le voir. Voilà, il y a des grandes subtilités dans cette puce. Quoi encore? Oula. Mais on voit la lâcheté du docteur Robotnik. Il est même plus dans ses engins. Oh, stylé. Moi, je vous le dis, Sonic, il pète le feu. Elle est nulle. C'est vrai. Ah, c'est peut-être ce que nous pouvons appeler des chemins de traverse. Oh là 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 là. Oh. On change de direction. Allez, réflexe, ça demande. Évidemment, plus tu tardes, plus ça va vite. C'est drôle. Ah merde, j'ai merdé et j'ai merdé. Oh là, oh 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 oh, je m'attendais pas à ça. Ah mais je pars pas dans le bon sens là, il y a un problème. Nous avons un petit problème, nous sommes revenus à l'arène du boss. Ah, je peux vraiment revenir en arrière. C'est bizarre. Allez, go. Mais je suis obligé de tomber en fait, je crois. C'est ma destinée. Oui, bah oui, quand tu as les émeraudes. Bah, ça donne une sensation d'open world, mais... Attends, là par contre j'ai un gros problème, c'est que j'ai... Merci. Oh yeah. Ah, j'ai Airbug et du bleu. Ah oui, c'est ça, dit que... Ah oui, j'ai pas le droit de sauter en plus. Hein. Oh, les rondins de la mort, quoi. Mais c'est fait long. Oh là là, va deviner à quel moment tu peux y aller. Oh.
Oh là là. Il y a un truc là. Ah oui. Ah oui, ça tire les anneaux. Ça, c'est bon ça. Tario. Oh mais. C'est dommage. Nope. Les accros. Oh, j'ai purgé l'eau, dis donc. T'as plus d'eau. Où vais-je? Oui. Tout va bien. What? J'ai pas tout compris. Oh merde. Ah oui, non, il faut choper tout en vol, ok. Oh, oh. Et là, je peux y aller comme ça. Merde! Oh, avec cette pente de fou. Ah, bonjour Mister Buzz 63, pardon, j'avais pas vu ton arrivée. J'espère que ça va bien. Non mais je suis obligé d'aller par là-bas moi. Voilà. Ah, c'est gentil. C'est apprécié. Oh vache. Oh, oh. Pour Sonic, c'est une affaire qui roule. Oula, enfin qui roulait. What the fuck? Oh là là, il a bobo le cul, Taze. Waouh, comment qu'il nous a bombardé. Non mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ah, te voilà, traîne. Oh. Oh, oh. A plus de passerelle. Oui, Thaïs la victime. Ah oui, c'est vrai que je peux faire un smash violent. Là. Allez, on court. Tu vas te faire bouffer le cul, mon pauvre. Tu ne sais pas. Mon pauvre Thaïs, pardon. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Oh, tout c'est bon. La jungle sous les bombes. Bon, allez, crame la passerelle. Où qu'il est? Où est-ce? Oula. Attends, laisse-moi un peu. Il joue avec la cascade, le seul de... Oula. Merde, j'aurais pu. J'aurais pu, mais j'y ai pas cru en fait.
D'accord. Merci Thaïs. Eh bien. Merci, merci. Génial, je ne peux plus sauter. Comment on fait pour se débarrasser? On peut pas. Non, c'est sérieux les gens? C'est synonyme de mort? Je ne peux plus sauter, je peux plus rien faire. C'est Piranha des Enfers. T'as pas le droit de te faire bouffer par les piranhas. Autant dire que t'as quasiment pas le droit d'aller dans l'eau. Ouais, continue, on va la tenter. Ton émoticône qui arrive au bon moment. Ah bah. Au moment où je dis tiens, je vais lui casser la figure. Attends, il y a moyen d'aller sur l'extrême, je crois. Ouais. D'accord. Bah, je veux bien prendre les pièces là, pour le coup. Merde, con. J'ai pas réfléchi, je l'avoue. Alors. Oui, il a jamais été aussi mou, Sonic là. Ah 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 ah. Celle-là? Non. Non, d'accord, c'est nul. Mais pourquoi je retombe dans l'eau? Putain, mais c'est des enfers ces trucs. Ah, si je peux le libérer comme ça. Non, mais c'est impossible. Ah, 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 la bulle d'oxygène qui me sauve, elle est bonne. La bulle dans la bulle. Ouais. Alors. Oh, cochonnerie. Taré, c'est complètement fou. Je découvre. Hein. Le Sonic 3, je le connais pas en fait. J'ai peut-être fait il y a très longtemps, mais ma mémoire s'est effacée depuis. Sûrement quelque chose de traumatique à mon avis. Parce que vu le truc. Ah oh, magnifique. Ce sens de l'accueil. Oh. Extraordinaire. On va laisser Sonic de côté. Je... Voilà. On va faire de la Mega Drive, mais autre chose. Tiens, si... On va se faire un petit Street of Rage 3, tiens. Street of Rage 3, ce serait bien que je me cotine ça.
Alors, on va redéclarer dans Twitch qu'on change de jeu. Alors, Street of Rage. Merde, c'est ça, pardon. Je fais des bêtises. La 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 la. Hop là. Alors. Wouh. Ah oui, c'est vrai, il connaît pas le. Merde, c'est comment? C'est Bark Knuckle en anglais. En version japonaise, je suis en train de me tromper. Oui, je comprends pas pourquoi Twitch a pas fait le boulot là. Pendant ce temps, moi je précise dans mon habillage de chaîne le nouveau jeu. Alors que. Ah, Twitch est en PLS. Bark Knuckle, non, tu peux pas me le mettre? Oula, on va mettre rétro. Il est en PLS le Twitch. Ok, j'ai Twitch qui répond plus. Oh là 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 là. Attendez. Alors. Voilà. Merci Twitch qui a mis trois plombes. Oh misère. Oui, alors le 3. Le 3, j'aimerais bien y jouer en normal et essayer de le finir. Voilà. La rue de l'arrêt. Petite québécois, ouais, rue de la rage. Ouais. Oui, rue de l'arrêt, ouais, quelque part, oui, ça le faisait aussi. Ah, tiens, je retire mon chapeau. Allez, zo. Sans déconner, j'aurais moins chaud au crâne. Voilà, option. Je vais essayer en normal. Hard, ça doit être la folie. Parce qu'en fait, je crois que si tu fais le jeu en normal, t'as pas la vraie fin. Je crois. On va voir, je vais essayer. Allez. Il a essayé d'être vaillant. Ah, c'est net. Par contre, c'est le titre avec la moins bonne musique des trois, selon moi. Oui, c'est ce que m'avait dit FunFan aussi, ouais. Ouais. D'ailleurs, là, on n'a pas de musique. Enfin bon. Ils avaient moins de budget. Je sais que je peux charger mon fond aussi. Ah
Ah, il m'a fait le coup de boule. Non, je peux péter les caisses, moi, en fait. Je crois que j'oublie qu'il y a des éléments de décor qui se pètent. Merde. Oh, 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 oh. C'est vrai qu'il y a un ennemi qui est terrible dans cet opus, c'est le samouraï là, enfin les trois samouraïs. C'est une hérésie ce truc. C'est un copier-coller en plus de l'équipe de développement justement que tu disais tout à l'heure de la revanche de Shinobi. Là. C'était le serveur Garcia. Oula. Je m'attendais pas à ça. C'est dommage là, je n'ai pas besoin. Alors...
Oh, mauvaise reprise de ma part. Mais il se déplace n'importe quoi. On dirait Flash dans la série télé là. Ah là, j'aime bien l'animation du chat dans la poubelle. Elle me fait toujours sourire. Oula. Est-ce que mes Carmen Electra? Merde, les autres ont mis une correction. Ouf. Oh, l'attaque de mort, toi. Vache. Des boîtes. Ah non, mais le 3, faut reconnaître que c'est pas du tout la même logique, la même physique, c'est une horreur. Une horreur. Eh ben punaise, il était temps. Oh, niveau 1. Ah bah bonne popote Bob, merci d'être passé, bonne soirée, à plus. Bah je serai là demain aux mêmes heures, t'es bien évidemment bienvenu si le cœur t'en dit. Mais bon week-end à toi, merci d'être venu Bob.
Bon appétit par avance. Massacre. Il est déjà 19h, bon appétit, c'est incroyable, je vais pas leur passer là. Mais c'est pas vrai. Oh, normal, c'est une purge. Je n'ai même pas imaginé en difficile. Ah, le Congo. Je bourrine qu'on abrutit, ça marche. Oh là 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 là. Je les aurais à l'usure. Ah non.
Oh. Je pense que j'aurais le mettre avant le kangourou là. Enfin, si je les ai. Encore que là, j'ai secoué le sac à plus. Allez, on arrête de danser les nuls. Ah bah les nazes, bon, j'aime pas les bombes. Oh, faut pas être épileptique. Ça parle mal. Ouais, faut pas être épileptique, punaise. Oh là là. Ah. Oh là 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 là. Voilà.
Oh les sœurs jumelles. C'est vrai que quelque part j'ai envie de dire le cœur n'y est plus quoi. C'est moche à dire mais c'est vrai. Oh là là, c'est prise pas possible. Oh, cette prise de mort, ils m'ont tué. Aïe 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 aïe, pardon pour ma piètre performance, mais elle est dure. Il est dur. Ah, il faut faire 30 000 points pour être dans les scores. Oh là là, la violence. La violence. Alors. Attendez, pardon. Je prends un peu d'informations, je vous mets un peu de zik en attendant. Bizarre. Bon. Alors la question est que faire? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu posé sur la Mega Drive? Merde, j'ai zappé carrément la Mega Drive, je pensais pas aller jusque là. Vous présentez une partie Fallout Shelter, mais je sais pas si ça va vous plaire. Peut-être que le ferai-je demain. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai commis une bourde. Mince, j'ai cliqué là où il fallait pas. J'espère que ça va pas sauter. Alors attendez, mini papillon. Heureusement que j'ai mis la musique. Aïe 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 aïe, une fausse manip. Non, c'est pas ça que je veux. Attention, ça va peut-être hurler entre guillemets. Ah.
j'arrive à bien maîtriser mon sujet, comme on dit. Voilà, le simple lanceur. Oui, pardon pour les oreilles, Chris. Désolé, j'ai malheureusement merdé ma manip. Attendez, je réfléchis à ma collection. Ma collection des jeux. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. La musique est sympa. Alors, il y a pas mal de jeux, hein. Il y en a quelques-uns, je sais même pas ce que c'est. Peut-être essayer un petit Golden Axe. Qui me sert d'oreiller là. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de correct là. Non, la musique, elle est pas de moi. C'était des compos de Adam Castillo. Attendez, je peux vous mettre son nom en valeur. Hop là, voilà, Adam Castillo, je vous le recommande. Et j'ai encore plus beau aussi, j'ai... Enfin, c'est tous les goûts sont la nature. Mais j'ai dû... je vous présenterai demain. J'ai plus en tête, désolé. Du Hades Vapor, je crois que c'est ça le nom. Hades Vapor. Oh, j'aime bien incarner le nain. Mais je vais essayer la nana pour une fois. Allez. Ouais, elle a une barre de magie qui est délirante. Ah oui, je crois que le sixième niveau, c'est carrément un dragon. Un dragon qui déchire le ciel et qui explose tout à l'écran. Merde. Ouais, bah c'était de la Dame Castillo. Faut aller sur musiquelibre.org. Thank you.
Sympa. Mais merde. Regarde comment qu'il me crucide. De la tortue. On va voir les gamins qui vont fuir. C'est idiot, mais ça fonctionne. Oh, le vil gredin. Ah, c'est trop beau. Faut que je réussisse à continuer mon attaque. C'était sûr que l'autre allait me briser. Ce cri. Elle va descendre de son dragonnet là. Allez, on crame les gamins. L'horreur. Les productions mauvais goût présentes. Ah, c'est pas le même mini dragon. Me venge. On va se faire avec son dragon l'autre. Oh, mais il commence à me les briser là. Sur le haricot, celle-là. Merci.
Le village était le dos d'une tortue géante. La tortue est allée vers le sud, à travers la mer. Oh, cette poésie. C'est de... C'est de la mythologie, là. Voilà, le truc le plus débile que je pouvais faire. Pas le droit de donner le premier coup, c'est un scandale. Salut. Bah, la journée s'est bien passée, on a fini Sonic 2, on a fait un petit peu de Sonic 3. Bon, j'ai pas gagné à Sonic 1, mais c'est pas grave. Tranquillou, ça va, peinard. Merci. Oh là là, ce comité d'accueil gangbang. Mais non, mais vous abusez. Oh! Ah mais il me tue. Peut-être le dire. Oh là 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 là, j'ai plus la logique là. Ouais, ça a été cool de ton côté, c'est bien. Avec le retour des beaux jours, tu peux mettre plus facilement le nez dehors et faire des activités sportives. Donc du coup, c'est bien, tu peux respirer. Après, sur Reims, il faut espérer que t'aies pas d'air trop pollué, pas trop de particules fines quand t'es en extérieur. C'est le souci. Merde, oh la faute des débutants. Ouais, j'aime me faire gangbanger, allez. Je sais pas à quelle heure je rends l'antenne, mais je vous cache pas que j'ai apprécié ma douche et mon dîner qui est une salade. Je vais pas bouder mon plaisir. Allez, que la colère du ciel se déchaîne sur vous. Le dragon qui crachait du feu. En même temps, on le voit mal cracher autre chose. Et là, le dragon a dératé, il crache des bulles. Je sais que j'avais trouvé une technique pour maîtriser le chevalier là, je sais plus laquelle, mais je sais qu'il y en avait une qui était infaillible. Je m'en sors bien. Ouais, une bonne salade, j'aime bien. Là, j'ai picoré mes légumes à midi là, c'était un régal. Ah, j'avais oublié que je pouvais faire cette attaque. J'irai pas loin avec ça. Et oui, les lignes ennemies.
Ouais. Bien visé l'axe. Merde. Ah. Non mais tu dis vrai. Il faut être dans le bon axe. Au niveau des plans. Oh, je suis mauvais. J'étais bien meilleur à Golden Axe la semaine dernière. Oh! Comment qu'il m'accueille celui-là? Et qui me recueille? Aussi, mais je ne sais plus, j'ai oublié depuis. J'ai eu une vie d'adulte entre temps, on peut le dire. Oh là 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 là, ce gangbang. Allez, vas-y, faites-vous plaisir. Passez-moi sur le corps. Oh là là, plus qu'un crédit. Ça en fait des 10 francs dans la borne d'arcade. Mais il va mourir, oui. Je me barre. Alors, à l'inverse de Suit of Rage, là il n'y a pas de chrono. Je peux vraiment prendre le temps de les trucider, quitte à foutre un coup à la minute. Je me demande si certains joueurs ne feintent pas comme ça. Je sais pas. Merde. Allez, retournez chez les morts. Vous êtes chiants. Voilà, quand ils sont plus que 2, c'est gérable. Mais alors 3. Oh là 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 là. Allez, faites-vous plaisir. Oh, le squelette, il est chiant. Aïe aïe aïe. Putain, il est pas mort cet abruti. Ah ouais, non mais squelette, c'est bon. Allez, j'en ai deux, c'est tellement plus drôle. Oh, j'irai pas plus loin, chante. S'il me reste une vie, je vois même plus. Je sais plus. Je suis perdu. Voilà, c'était Golden Axe. Ah, c'est une note américaine en plus, je crois. Il te note D. C'est pas un F. J'ai un D. Eh ben punaise. Il va falloir que je m'améliore.
Il est des nôtres. Il est en PLS, 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 comme les autres. Oui. Vigui, oui, oui. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vous fais d'autre? Y a pas un jeu posé au calme que je pourrais vous faire de bien là? Stick. Ah, Crackdown, ouais, j'aime bien. Ah, je vais peut-être essayer le Crackdown. Vas-y boire. Ça fait longtemps. Le petit Crackdown. Alors attendez, parce qu'il faut que je reprécise. Hop. Ah. Voilà. Et encore, je sais pas si c'est. Ah, il y en a plusieurs. Je sais pas. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est celui-là? Je sais pas. Je vais mettre ça. Allez, hop. Où en sommes-nous? Attendez, elle est où mon application? Ah, elle est là. Ta-ta-ta. Évidemment, il me redécale la fenêtre. Au début du 21e siècle, un système de vie artificielle, et j'ai pas le temps de lire la suite. Voilà, le leader du mal voulait conquérir le monde. On va lui patater la bouche. On va lui patater la bouche très fort. Ah, si, crédit. Voilà, c'est complètement pété. Je me mets tout au max. Retue une scène. Je l'ai loupé. Oh le con. Infiltration. Merde. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent sortir du véhicule. Putain, la folie. Oh merde, il m'a buté. Ah, c'est dur. Il faut que je me barre vite parce que la bombe est posée. Il faut que j'arrête mes âneries, moi. Oh merde. Ça a l'air très con. Des grenades. Oh. Oh merde. Oh oh. Mais non, mais comment il m'a trucidé lui? Ah, je peux tirer en diagonale.
drôle. Merde. Comme un suppositoire. Il m'a eu dans le derrière. C'était très propre. Game over. Non mais je fais de la mouise en même temps. Merde, dommage. C'était pas mal mon enchaînement là. C'était digne de Nicky Larson, moi j'ai. Mission accomplie, barre-toi. Sauf que j'arriverai pas me barrer là, ça craint. Voilà. Là aussi, il faut pas être épileptique. Punaise. En fait, je regarde que l'écran d'action et j'ai tort. Parce qu'on voit l'interface, il y a des trucs intéressants à faire. Bon, là, je suis en train de perdre toutes mes vies connement. Parce que je pensais que j'avais un flingue, mais non, je l'ai plus. Oh! Oh oh oh! Merde, dommage. Je suis mis à découvert quand la balle est arrivée. Oh là 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 là. Merde. Évidemment, il fallait un autre mur. Un autre mur. Un autre mur. Oh, j'ai pas loupé. Ah non, j'ai pas loupé. Parce que le pire, c'est de louper les emplacements de monde. Voilà, je meurs 10 millions de fois. La speedrun doit être marrante. De jeu. D'accord. Ok, nul le mec. Oh joli. C'est ridicule. Je suis revenu à mon point de départ. Oh non! Merde. Thank you.
Ouais, c'est vrai que l'idéal c'est de jouer de... Merde, comment perdre toutes ces vies codement? Merde, je vais faire le kéké et ça a pas payé. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Ah merde, il me reste des bombes à placer. Merde. Oh non! Oh, ces plateformes de mort, je les déteste. Oh non, j'étais passé, merci, ouais. Il me l'a accepté. Attends, puis il faut se barrer maintenant. Oh, moi ça va dans l'ensemble, je pense que tout le monde ici se porte plutôt bien, donc je te retourne la question, Olive qui tue, j'espère que tu vas bien. Ouais, il est bien le... Quagram. Merde, je pensais que je l'avais eu, mais non. Merde, je peux pas passer. Salopard. Ils sont chiants quand ils ont des boucliers. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait du monde à l'autre bout du pont. Moi, j'ai regardé ma grande carte en haut de l'écran. Tu te reposes ce soir, ouais, c'est bien, c'est cool. Ah. Oh là là, le piège fait long. Ah, là où c'est craquelé, d'accord. Très drôle. Ils ont de l'humour. Oh là là, même le bord. Ok, c'est une catastrophe. Attends, il y a la bombe au-dessus là. Merde. Oh, remerde. Remerde. Oh, c'est dur. Ah merde, mais oui, je suis con, c'est la ville en contrebas.
Je croyais que c'était un passage, moi. Je lisais un pont, moi. Mais non, c'est la ville en contrebas avec les routes. On est sur un toit, en fait. Et d'ailleurs, je comprends pas. Je fais quoi, moi? Ah, c'est ça. Faut faire tomber le truc. Dur. Merde. Je pensais le feinter, mais non. Merde. Oh, je joue mal. Cette violence du gangbang. Mais on serait en début de journée, j'aurai mon énergie totale. Avec un peu de concentration, je pourrais faire un beau truc. C'est impossible votre truc. J'ignore même les ennemis tellement que c'est balèze. Ah merde, le truc revient. Ok. Putain, c'est pas possible. Il est pas faisable votre jeu, les mecs. Arrêtez. C'est une hérésie, ce truc. Ce truc, c'est juste impossible. D'où tu vois la force du tigre, ZR? Hein? Game over. Bon, je crois que oui, je m'arrête là. De toute façon, je deviens fou. Ce jeu me rend fou. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Vous doudou. Ah là 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 là. Oh, je sais plus quoi vous répondre. Bon. J'aimerais prendre une information. Attendez voir. Hop, je remets la musique. On appelle musique.
Je regarde. Bah, j'espère qu'il s'est rétabli à Roster, parce que je crois qu'il devait prendre l'antenne ce soir, et là il prend pas là. Ah, il a mal partout, d'accord, il a témoigné sur son Discord, il est claqué le pauvre Aero. Bon bah il est de repos du coup, qu'il se repose bien, sacré Aero. Si on se faisait un petit coup de tableau mystère, je sais même plus où est-ce qu'on en était. Allez, tableau mystère. Je commence à fatiguer. On fait le tableau mystère et puis on se retrouvera demain à partir de 9h. Et là j'en pleure presque. C'est que je suis vraiment à plat. C'est bien, on aura fait une belle journée. C'était cool. Demain, à mon avis, le matin, je ferai le rallye WRC2. L'après-midi, je sais pas trop. Peut-être que je me remettrai au GIGN. On va voir. Ah, il faudra que je reprenne aussi, que j'essaie de terminer l'excellent. On verra le truc de flingue là, FPS, dont j'ai oublié le nom. Qui est pas mal, celui qui aurait dû être Deus Ex. Oh là là, mon tableau qui met 3 plombes. Alors le tableau mystère, c'était quoi? Même moi, je sais plus. C'était ça. Oh, j'ai dû avoir des réponses depuis. Attends, pourquoi il me parle du 16, lui? Ah oui, c'est le 16 qui est à l'écran. J'avais pas distribué les points. J'ai déjà, avant de vérifier les réponses de la semaine, à vous donner des points. J'en ai 500 à donner à FunFan pour le Wolfenstein 3D. Et 1000 à Twinsen pour Screamer et Batman Forever. J'avais pas donné les points, je l'avais pas noté. Alors. Waouh! Alors, déjà 2.500 pour Twinsen. FunFan, il va avoir droit à 500. Tac, tac, tac. Voilà, ça s'est fait. Alors, les réponses que vous m'avez données. Oh là là, j'ai les yeux qui pleurent. Là, c'est bon, là, c'est la fin. Alors que j'en m'entends, je tiens plus. Une bonne douche, une bonne salade et au dodo. Comme ça, je vous reviendrai demain aux environs de 9h en pleine forme. Ah. Je crois que je peux faire usage de l'expression qui dit « j'ai tout donné ». Ah, c'était sympa, c'était cool comme après-midi. Alors... Le 13. Pardon. Tableau 16. Non, j'ai pas eu la bonne réponse. Ah, bonne réponse de Bombastos et de Twinsen Twitch. Il s'agit effectivement bien de Bananoid. Alors, Bananoid a été trouvé. C'est le jeu de voilà, Casbrick. Vous savez que j'adore les jeux de Casbrick. Alors, Bananoid. La 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 la.
Bombastos, on compte des points. On est le combien? On est le 19, je crois. On est le 19. Alors, que j'enregistre ça dans ma... Alors, bah je le mets. Alors, 500 points pour Bombastos et 500 points pour Twinsen pour notre bananoïde. Alors... Bombastos TV, 500 points. Twinsen, on gagne 500 points. Il y avait quoi d'autre? Il y avait The Incredible Machine. Bien vu, Twinsen. Tu as vu. Tu as vu subtilement le ballon de basket avec le tapis roulant qui correspond à cet excellent jeu. Moi, j'avais adoré quand j'étais gosse. J'avais eu, certes, j'avais eu un peu tard, mais jeune adulte, j'avais pu jouer. C'était extra. Et là, c'est bien, ça fait 500 points plus dans l'escarcelle. Bon, ben voilà, le tableau mystère numéro 16 a été fumé une fois de plus. Oh là là, c'est terrible. Voilà, c'était ça. Là où je m'étais déjà trouvé, vous voyez. C'était le petit élément là. Panier de basket et tapis roulant. C'était The Incredible Machine. Le team pour les intimes. Voilà, voilà. Attendez, ça bouge de mon côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mince, j'ai une info mais j'ai pas compris laquelle. Mince, tant pis. On va voir, pardon. Je me rafraîchis un peu. Et puis je fais le tirage d'un autre tableau, hein. Vous en faites pas, ça arrive. Non, d'accord, j'ai eu un problème de rafraîchissement. Ok, confusion totale. Voilà. Alors. Clac, clac, clac. On va changer de table de mystère. On va faire appel à la roue. Il faut que je lance mon application pour faire tourner la roue. Alors. Ah, j'ai plus de piles là. Je suis un jouet en train de s'éteindre là, ça. Alors, chiffre des dizaines, comme d'hab, 3. Et l'unité, 36. Oh, le 36, je crois qu'on l'a déjà joué, non? Ah, je me demande. Le 36. Ah oui, le 36, on l'a déjà joué, c'était avec Adibou en plus. Souvenez-vous. On y retourne, allez, c'est la fête. Chiffre des dizaines. 1. Unité. 10. 16. Quelque chose me dit que le 16, on l'a fait aussi. Ah bah, c'était à l'instant qu'on avait fait le 16. Ah ah, la bonne blague. Allez, c'est reparti pour la roue. Dizaine. 7. Oh, j'en ai pas beaucoup des... Ah, 73. Est-ce que j'ai ou pas? Je crois pas. Hein. Je me suis arrêté à 72 ou un truc comme ça. 72. Ah, c'est moche. Ah ah, 73, j'ai pas. La 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 la. On y retourne gaiement. Non, c'est pas ça que je voulais. Je me perds dans les commandes. Allez, les dizaines. 2. 20. 20. Est-ce qu'on a fait le 20? Telle est la question. Oh, on n'a pas fait le 20. Woodoodoo. Attendez voir que je prépare le terrain. On va scoltiner le 20e tableau.
Allez. Tac. 19-02-2022. Allez, tous les deux. Alors. Bonjour, grenier. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Tableau mystère numéro 20. On y croit. Voilà, je suis au bout de ma vie là. Bleh. Oh, 5 jeux. Allez-y pour les 5 jeux. Je regarde un peu. Oulala. Là là. C'est Patty mon kiki, 5 petits jeux. Allez-y, je vous laisse jouer quelques minutes. Ah merde, ah non, ma boisson elle est là, j'ai eu peur, j'ai cru que j'ai voulu prendre ma boisson. Pendant ce temps, Olive qui tue pêche et remonte. Un sciure géant. Non, un sciure glane, pardon. Mais c'est bien, c'est une bonne prise. Bien joué, Olive. C'est bon, ça. Ouais. J'ti sciure. Oh, je vois de belles choses. Tu as une scène, il est redoutable. Il est redoutable. Scène. Tac, 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 tac. Alors, il a trouvé effectivement Dungeon Keeper. Il a trouvé MDK qui est subtilement mis en bas avec le chiffre 90. C'est ça, MDK. Voilà. Bon, je vais me mettre à l'angle, celui-là aussi. Voilà, voilà. Reste à trouver 3 jeux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé, l'ami Twinsen? MDK, il m'a trouvé. Alors, ça va faire déjà 1000 points. Ça va encore du fait que vous ne soyez pas trop nombreux, sur la chaîne. J'ai qu'à taper les deux premiers caractères de mon pseudo et mon tableur complet, donc c'est rapide. Vous seriez plus nombreux ou vous auriez des pseudos similaires, je serais dans la mouise en fait. Enfin dans la mouise, je serais un peu en galère. Voilà, hop, 2 x 500, t'as 1000 points encore, tu as une scène, c'est bien. Oh là 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 là. Je n'en peux plus, je vais rendre l'antenne. Oulala, elle a un pseudo de fou. Comment je vais faire mon relais de chaîne? À la demoiselle. Allez, on va faire un relais de chaîne demoiselle. Messieurs, je vous invite à être d'authentiques gentlemen auprès d'elle. Je vais vous envoyer auprès d'une certaine Caro. Caro Kiri. Si j'arrive à bien saisir. Elle est en train de faire du D3 Become Human. Voilà. Hop. Elle est adorable, la demoiselle. Elle s'est lancée d'ailleurs dans Twitch il y a à peine 15 jours en plus. Donc merci à vous d'avoir été là. On fera le point demain en fin de journée sur le tableau mystère. Merci. Oula, pardon. Merci à vous d'avoir été là. C'était cool. Encore merci FunFan pour la modération, merci pour votre présence. Demain vers 9h du rallye VRC2, l'après-midi je ferai sûrement le GIGN. J'ai pas eu d'occasion à refaire le GIGN, je la retenterai avec vous en direct, je ferai 2-3 essais.
Si c'est vraiment nul, on passera sur un autre jeu PS2 où je reprendrai l'équivalent de SX3 là, enfin celui qui aurait dû être de SX3, qui est Project Snowblind, qui est excellent. Moi j'adore. Et je pense que je suis arrivé à la dernière mission. Donc voilà, que du bonheur. Bon, bah j'espère que mon contenu vous aura plu. N'hésitez pas à traîner sur YouTube si vous voulez voir les rediffs qui sont entre guillemets vieilles de plus de 15 jours, un mois là. Et sinon, sur Twitch, hein, je laisse les 15 jours là durant les ralentis. Merci pour votre présence. Allez, on va aller chez Mademoiselle Caro Kili, la charmante Caro, qui joue à Detroit Become Humans. Voilà, voilà. Moi, je vous retrouverai demain en matinée. Une bonne douche, une bonne salade et un bon dodo. Oh, demain, je reviens en pleine puissance. Et prompt rétablissement à Aeroster, je lui souhaite. Voilà, merci pour ceux qui regardent les rediffusions. Prenez soin de vous, bisous, à plus.